Remue-ménage. Remue-ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi. Né pécheur, mais transformé par la foi. Lisons Romains 1, les versets 16 et 17. Romains 1, versets 16 et 17. Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Après le dernier souper dans la chambre haute, Jésus demanda à ses disciples de le soutenir et de prier pour lui. Mais préoccupés avant tout de leur propre personne, de leurs propres désirs et de leurs propres priorités, ils s'endormirent à ce moment pourtant crucial. Pourquoi ? À cause de leur nature coupable. À Jésus qui lui révélait qu'avant que le coq chante, il l'aurait déjà renié trois fois, Pierre répondit que jamais il ne ferait une chose pareille. Et cependant, dès que la première occasion de témoigner de Jésus se présenta, il échoua lamentablement. Pierre fut coupé de la gloire de Dieu à cause de l'égoïsme qui dominait son cœur. Par nature, nous sommes nous aussi enclins au mal. Il se produit automatiquement car nous sommes nés dans le péché. Il n'y a pas d'homme juste, pas même un seul. Romains 3, le verset 10. Dieu nous aime tant qu'il a envoyé son Fils unique dans le monde pour pardonner nos péchés et pour que nous puissions vivre par lui. C'est ainsi que nous pouvons le glorifier et proclamer son nom, en renonçant à nous-mêmes, en venant simplement à lui tel que nous sommes et en nous abandonnant à lui afin qu'il puisse transformer notre cœur. Il nous aime tant qu'il est disposé à faire cela jour après jour, aussi longtemps que nous allons à lui et lui permettons de vivre en nous. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne soit pas perdu, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, verset 16. Bien qu'il nous soit naturel de pécher, nous savons que par la foi, nous pouvons vivre par lui. Si nous nous consacrons au Seigneur, il nous aidera avec le péché et nous serons victorieux en Jésus-Christ. Nous ne pourrons triompher du péché que si nous acceptons que nous sommes pécheurs et avons été sauvés par la grâce de Dieu. Le Créateur nous a fait don du salut. Nous n'avons qu'à lui permettre de faire son œuvre en nous chaque jour. Dès que quelqu'un est uni au Christ, il est un être nouveau. Ce qui est ancien a disparu, ce qui est nouveau est là. De Colossiens 5, verset 17. Remue-ménage. Est-ce que je renonce à moi-même chaque jour et permets à Dieu de vivre en moi? Comment puis-je témoigner de l'amour de Dieu pour moi et ne pas avoir honte de l'Évangile? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. Remue-ménage.